idylle. Quelle idylle? Tu dors. Et toi? Bah non, je dors pas puisque je te parle. C'est Noël, dis. Pas encore, c'est demain. Mais le petit Noël n'apportera rien cette année. Pourquoi? J'ai entendu maman qui disait qu'elle n'avait pas pu aller à la ville pour le prévenir. Mais il viendra l'année prochaine. C'est long l'année prochaine? Bah c'est pas trop court, mais... Il vient cette nuit chez Kirish. Ah! Tiens, j'ai une idée. Levons-nous. C'est défendu. Et puis s'il n'y a personne? Tu vois les volets? Oh! Il fait clair! C'est les lumières de la fête. En face, chez les petits riches, c'est l'arbre de Noël. On va les ouvrir. Est-ce qu'on peut? Mais bien sûr, puisqu'on est seul. T'entends la musique? Allez, levons-nous. Pardi, des fusils, des sabres, des canons, des soldats. Et des poupées, dit. Est-ce qu'on en a mis? Les poupées, c'est trop bête, ça les amuse plus. Et autour de la table? C'est des gâteaux, des fruits, des tartes à la crème. Il y en a plein à la table. Est-ce qu'ils vont les manger? Bien sûr, que s'ils en feraient. Mangeront tout. Est-ce qu'ils en donneront? Mais à qui? À nous. Ils nous connaissent pas. Si on leur demandait? Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est défendu. Oh, que c'est amusant! Il leur donne des gâteaux. Ils mangent. Ils en ont 2, 3, 4. Oh, que c'est bon. Que c'est bon. Moi, j'en ai reçu 12. Et moi, 4 fois 12. Ne t'en fais pas, je t'en donnerai. Avez-vous ici l'herbe qui chante? Ou l'oiseau bleu? Nous avons de l'herbe. Mais elle ne chante pas. C'est-il un oiseau? Je peux pas le donner. Bien sûr. Où est-il, cet oiseau? Là, dans la cage. Non, même pas. Il n'est pas assez bleu. Faudra aller chercher celui dont j'ai besoin. Mais je ne sais pas où il est. Moi non plus. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Il me faut absolument l'oiseau bleu. Et pour ma petite fille, qui est très malade. Hein? Qu'est-ce qu'elle a? C'est pas au juste. Elle voudrait être heureuse. Hein? Savez-vous qui je suis? Vous ressemblez à notre voisine, Madame Berlingot. Ça n'a aucun rapport, c'est abominable. Je suis la fée Bérylune. Ah, oh, très bien. Mais il faudra partir tout de suite. Vous viendrez avec nous? Impossible, à cause du pot-au-feu que j'ai mis ce matin et qui s'empresse de déborder dès que je m'absente une heure. Hé, qu'attendez-vous? Hé, habillez-vous.
vous donner un petit chapeau merveilleux. Où sont vos parents? Là, ils dorment. Et vos petits frères, vous en avez? Oui, 3 petits frères. Où sont-ils? Ils sont morts. Et votre bon papa et votre bonne maman? Ils sont morts aussi. Aimeriez-vous les revoir? Oh oui, tout de suite. Ah ben ça tombe à merveille. Vous les reverrez en passant par le pays du souvenir. C'est sur la route de l'oiseau bleu. Tout de suite à gauche, après le 3e carrefour. Que faisiez-vous quand j'ai frappé? Nous jouions à manger des gâteaux. Vous avez des gâteaux? Où sont-ils? Ils sont là dans le palais des enfants riches. Venez voir. Ah, ce sont les autres qui les mangent. Mais oui, mais c'est si beau chez eux, regardez. Vous, c'est pas plus beau que chez toi. Chez nous, c'est plus noir, plus petit et sans gâteau. C'est exactement la même chose. C'est parce que tu n'y vois pas. Mais si, j'ai de très bons yeux. Je vois l'air au cadran de l'église que papa ne voit pas. Je te dis que tu n'y vois pas. Comment donc me vois-tu? Comment suis-je donc faite? Suis-je belle ou bien laide? Tu ne veux pas répondre. Suis-je jeune ou vieille? Suis-je rose ou bien jaune? J'ai peut-être une bosse. Elle n'est pas très grande. Voir ton air, on la croirait énorme. Ai-je l'œil droit crevé? Qui est-ce qui l'a crevé? Il n'est pas crevé, un seul an. Il est plus beau que l'autre, il est plus grand, il est bleu comme le ciel. Et mes cheveux? Ils sont blonds comme les blés, de l'or vierge. Ah, et j'en ai tant et tant que la tête me pèse. J'en ai aperçu quelques-uns. Quelques-uns? Des herbes, des brassées. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'en voient point, mais tu n'es pas de ces méchantes gens aveugles, je suppose. Non, je vois très bien ceux qui se cachent pas. T'es très curieux, les hommes. Depuis la mort des fées, ils n'y voient plus du tout. Heureusement que j'ai toujours sur moi tout ce qu'il faut pour rallumer les feux éteints. Qu'est-ce que je tire de mon sac? Oh, le joli petit chapeau! Mais qu'est-ce qui brille là sur la cocarde? C'est le gros diamant qui fait voir. Quand on a le chapeau sur la tête, on tourne un peu le diamant. De droite à gauche, par exemple, comme ceci, tu vois. Et alors, il appuie sur une bosse de la tête que personne ne connaît et qui ouvre les yeux. Ça ne fait pas mal? Au contraire. Je vous donne tout ce qu'il faut pour vous aider dans la recherche de l'oiseau bleu. Ah, j'oubliais. Quand on le tient comme ceci, un petit tour de plus, on revoit le passé. Encore un petit tour et on voit l'avenir. C'est curieux. Et c'est pratique. Et ça ne fait pas de bruit. Mais papa me le prendra? Il ne le verra même pas. Personne ne peut le voir quand il est sur ta tête. Veux-tu l'essayer? Et maintenant, tourne un peu le diamant. Encore un petit tour. Et puis après. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les heures de ta vie qui sont heureuses d'être libres un instant.
Mais pourquoi que les murs sont si clairs? Est-ce qu'ils sont en pierre précieuse? Toutes les pierres sont pareilles. Toutes les pierres sont précieuses. Mais l'homme n'en voit que quelques-unes. Bonjour, mon petit Dieu. Enfin, on peut te parler. J'avais tant de choses à te dire. J'avais beau aboyer et remuer la queue, tu ne me comprenais pas. Mais maintenant, bonjour. Bonjour. Je t'aime. Veux-tu que je fasse quelque chose d'étonnant? Oui. Veux-tu que je marche sur les pattes, sur les mains? Veux-tu que je danse à la corde? Veux-tu que je chante? Là... La da da, la da di, la da da, la, la da da, la da di, la da da. Qui est-ce, monsieur? Comment, tu ne vois pas? C'est l'âme de Tilo que tu as délivré. Jolie ce matin. Bonjour, madame. Qui est-ce? C'est l'âme de Tilette qui te tend la main. Embrasse-la. Tilette. Et moi aussi, j'embrasse le petit Dieu. J'embrasse la petite fille. J'embrasse tout le monde. On va s'amuser. Je vais faire peur à Tilette. Monsieur, je ne vous connais pas. Ah bon, ben j'embrasse la dame. Toi, tu vas te tenir tranquille. Sinon, tu rentreras dans le silence jusqu'à la fin des temps. Le diamant de gauche à droite. Venez pour vous préparer au voyage. Il s'agit de notre avenir. La fée vient de l'avouer, nous ne redeviendrons pas ce que nous étions. La fin du voyage marquera la fin de notre vie. Il s'agit donc de le prolonger par tous les moyens possibles. Mais il y a encore autre chose. Il faut que nous pensions au sort de notre race et à la destinée de nos enfants. Mais c'est idiot. Il y a l'homme, voilà tout. Il faut lui obéir et faire tout ce qu'il veut. Je ne connais que lui. Vive l'homme. À la vie, à la mort, tout pour l'homme. L'homme est Dieu. S'il trouve l'oiseau bleu, il saura tout, il verra tout, et nous serons complètement à sa merci. C'est ce que vient de m'apprendre ma vieille amie la nuit, qui est en même temps la gardienne des mystères de la vie.
Il est donc de notre intérêt d'empêcher à tout prix qu'il ne trouve cet oiseau. Faut-il aller jusqu'à mettre en péril la vie même des enfants? J'aime l'homme. Ça suffit. Si vous faites quelque chose contre lui, je vous étranglerai d'abord et j'irai tout lui révéler ensuite. Eh bien, que faites-vous dans ce coin? Il est temps de se mettre en route. Je viens de décider que la lumière serait votre chef. Vous lui obéirez comme à moi-même. C'est ce que je disais au chien, madame la fée. Je l'exhortais à remplir courageusement et consciencieusement son devoir. Malheureusement, il ne cessait de m'interrompre. Qu'est-ce que... Attends un peu. Patio! Prends garde! Mon petit Dieu, tu ne sais pas, c'est elle qui... Tais-toi! Maintenant, vous allez rendre visite à vos grands-parents. Ils sont ici? Vous allez les voir à l'instant. Mais comment les verra-t-on puisqu'ils sont morts? Comment seraient-ils morts puisqu'ils vivent dans votre souvenir? Les hommes ne savent point ce secret parce qu'ils ne savent pas grand-chose au lieu que toi, grâce au diamant. Tu vas voir que les morts dont on se souvient vivent aussi heureux que s'ils n'étaient point morts. La lumière viendra-t-elle avec nous? Non. Il est plus convenable que cela se passe en famille. J'attendrai ici, pour ne pas me paraître indiscrète. Par où faut-il aller? Vous êtes au seuil du pays du souvenir. Dès que vous aurez tourné le diamant, vous serez arrivé. Mais surtout, n'oubliez pas que vous devez être rentré pour 9h moins le quart tous les deux. C'est extrêmement important. Surtout, soyez exact, car tout serait perdu si vous vous mettiez en retard. Au revoir. Enfants vont venir nous voir aujourd'hui. Bien sûr, ils pensent à nous car je me sens tout chose et j'ai des fourmis dans les jambes. Je crois qu'ils sont tout proches. Des larmes de joie dansent devant mes yeux. Non, non, ils sont loin. Je me sens encore faible. Je te dis qu'ils sont là. J'ai déjà toute ma force. C'est ici qu'il commence le pays du souvenir? Oui. Où ils sont, mon papa et bonne maman? Derrière le brouillard, nous allons voir. Qu'est-ce que je disais? J'étais sûr qu'il viendrait. Nous voilà, bon papa. C'est nous, bonne maman. Til-til. Mit-il, c'est toi? C'est elle? C'est eux? Que tu as grandi et forci, Motil-til. Et Mit-il, regarde donc. Tes beaux cheveux, tes beaux yeux. Mmh. Ah, tu sais qu'elles sont beaux. Embrassons-nous encore. Et moi, je n'aurai rien. Ah! Comment vont papa et maman ils? Très bien, bonne maman. Ils dormaient quand nous sommes sortis. Mon Dieu, qu'ils sont jolis. Et bien débarbouillés. C'est maman qui t'a débarbouillé. Oui. Et tes bas ne sont pas trouées. Hein? C'est moi qui les reprisais autrefois. Pourquoi ne venez-vous pas nous voir plus souvent? Ça nous fait tant plaisir. Voilà des mois et des mois que vous nous oubliez. Nous ne voyons plus personne. Nous ne pouvions pas, bonne maman. Et c'est grâce à la fée qu'aujourd'hui... Nous sommes toujours là, à attendre une petite visite de ceux qui vivent. La dernière fois que vous êtes venue... Voyons, c'était quand donc? Ah ben, à la Toussaint, quand la cloche de l'église a tinté.
À la Toussaint, nous ne sommes pas sortis ce jour-là, nous étions enrhumés. Oui, mais vous avez pensé à nous. Oui. Eh bien, chaque fois que vous pensez à nous, nous nous réveillons et nous vous revoyons. Comment il suffit que... Bah, tu le sais bien, voyons. Non, je ne sais pas. Mais ils savent rien, ils n'apprennent donc rien. C'est comme de notre temps. Les vivants sont si bêtes quand ils parlent des autres. Vous dormez tout le temps? Oui, nous dormons pas mal, en attendant qu'une pensée des vivants nous réveille. Ah, c'est bien bon de dormir quand la vie est finie, mais il est agréable aussi de s'éveiller de temps en temps. Mais alors, vous n'êtes pas mort pour de vrai? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà qu'il emploie des mots que nous ne comprenons plus. Est-ce que c'est un mot nouveau, une invention nouvelle Le mot mort? Oui, c'était ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne vit plus. Ah, oh, sont-ils bêtes? Est-ce qu'on est bien ici? Ah oui, pas mal, pas mal. Et même si l'on priait encore... Papa m'a dit qu'il ne fallait plus prier. Mais si, prier, c'est se souvenir. Oui, tout irait bien, si seulement vous veniez nous voir plus souvent. Tu te rappelles, Titil, la dernière fois j'avais fait une belle tarte aux pommes. T'en as mangé tant et tant que ça t'a rendu malade. Mais je n'ai pas mangé de tarte aux pommes depuis l'année dernière. Il n'y a pas eu de pommes cette année. Mais ici, il y en a toujours. Ah bah oui, mais c'est pas la même chose. Oh non, c'est pas la même chose. Mais tout est la même chose, puisqu'on peut encore s'embrasser. Tu n'as pas changé, mon papa. Alors, pas du tout. Et toi non plus, bonne maman, tu n'as pas changé du tout. Mais vous êtes plus beau. Nous ne vieillissons plus. Mais vous, grandissez-vous. Tenez, là, sur la porte, il y a encore la marque de la dernière fois. Voyons, tiens-toi bien droit. 4 centimètres, émit-il. 4,5. Oh, la mauvaise graine, ce que ça pousse. Voici le vieux merle. Est-ce qu'il chante encore? Mais tu vois bien, dès qu'on pense à lui. Mais il est bleu. Mais c'est lui, l'oiseau bleu que nous devons rapporter à la fée. Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il était ici? Bon papa, bonne maman, voulez-vous me le donner? Oh, peut-être bien, qu'en penses-tu, grand-maman? Bien sûr, à quoi qu'il sert ici? Il ne fait que dormir, on ne l'entend jamais. Alors vrai, vous me le donnez pour de vrai? C'est la lumière qui sera contente. Il a fait aussi. Ah, tu sais, je n'en réponds pas de l'oiseau. Je crains bien qu'il ne puisse plus s'habituer à la vie agitée et qu'il ne revienne ici par le premier bon vent. Enfin, on verra bien. Mais, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ce doit être l'horloge. Oh, mais c'est pas possible. On ne l'entend jamais. Mais parce que nous ne pensons plus à l'heure. Quelqu'un a-t-il pensé à l'heure? Oui, moi. Ah. Quelle heure il est? Je ne sais plus, j'ai perdu l'habitude. Elle a sonné 8 coups. Ce doit être ce qu'ils appellent 8 heures. Elle est mise au matin à 9h15. C'est à cause de la fée, c'est extrêmement important. Ben, vous n'allez pas nous quitter au moment du souper. J'avais justement une belle tarte aux prunes. Bah, ma foi, j'ai l'oiseau bleu et puis les tartes aux prunes. Ça fait si longtemps. Eh ben alors. Allez, les enfants, à table. Si vous êtes pressés, ne perdons pas de temps. Qu'elle est bonne. Mon Dieu, qu'elle est bonne. Encore, j'en veux encore. Ah, tu es toujours aussi mal élevé. Hein? J'en veux encore. Et tu vas casser ton assiette. Encore, j'en veux. Tiens, voilà pour toi. Oh, oui, c'est ça. C'est comme ça qu'elles étaient les claques que tu donnais quand tu étais vivant. Qu'elle est bonne. Que ça fait du bien. Bon, papa, il faut que tu s'embrasses. Ah, bon. Il y en a encore si ça te fait plaisir. Thank you.
8h30. Midi, il faut partir. Oh, ben voyons, encore quelques minutes. Le feu n'est pas à la maison. On se voit si rarement. Non, c'est pas possible. Pourquoi? La lumière est si bonne. Et je lui ai promis. Dieu, que les vivants sont donc contrariants avec toujours leurs affaires et leurs agitations. Dieu, bonne maman. Nous ne pouvons plus rester ici. Ne pleure pas, bonne maman. Nous viendrons souvent. Adieu, mon papa. Revenez tous les jours. Nous reviendrons le plus souvent possible. C'est une telle fête. C'est notre seule joie quand votre pensée nous visite. Au revoir, bonne maman. Nous n'avons pas d'autre distraction. Au revoir, mon papa. Adieu, mon papa. Adieu, bonne maman. Adieu. Redevenu noir. Où est donc la lumière? Je ne sais pas. J'ai froid, j'ai peur. Donne-moi la main, dit-il. N'aie pas peur. Comme tu es pâle et amaigri. Tu t'es encore battue sous la neige et la pluie. Non, c'est de notre secret qu'il s'agit. J'ai pu m'échapper un instant pour vous prévenir, mais je crains qu'il n'y ait rien à faire. Quoi? Mais que s'est-il passé? Je vous ai déjà parlé du petit Tiltil, le fils du bûcheron, et du diamant merveilleux. Eh bien, il vient ici pour vous réclamer l'oiseau bleu. Il ne le tient pas encore. Il le tiendra bientôt si nous ne faisons pas un miracle. La lumière s'est mise du parti de l'homme. La lumière vient d'apprendre que l'oiseau bleu, le vrai, le seul qui puisse vivre à la clarté du jour, se cache ici. Parmi les oiseaux bleus des songes, qui se nourrissent des rayons de lune et meurent dès qu'ils voient le soleil. Elle sait qu'il lui est interdit de franchir les portes de votre palais. Mais elle y envoie les enfants. Je ne sais trop comment tout cela finira. Seigneur, Seigneur! En quel temps vivons-nous? Je n'ai plus un instant de repos. Je ne comprends plus l'homme depuis quelques années. Mais où veut-il en venir? Il faut donc qu'il sache tout. Il a déjà percé un tiers de mes mystères. Mes terreurs ont peur et n'osent plus sortir. Mes fantômes sont en fuite. Et la plupart de mes maladies ne se portent pas bien. Je sais, ma mère, la nuit. Je sais. Les temps sont durs. Et nous sommes presque seuls à lutter contre l'homme. Mais je les entends qui s'approchent. Je ne vois qu'un moyen. Comme ce sont des enfants, il faut leur faire une telle peur qu'ils n'oseront pas insister. Ni franchir la grande porte du fond. Oh, qu'est-ce que j'entends? C'est le chien qui fait tout ce bruit. Par ici! Par ici, mes petits maîtres! Je ne connais pas ça. Tu pourrais bien me dire bonne nuit ou tout au moins bonsoir. Pardon, madame.
ne savais pas. Ce sont vos petits garçons? Ils ont l'air bien gentils. Oui, voici le sommeil. Pourquoi il est si gros? Mais c'est parce qu'il dort bien. Et l'autre qui se cache? Pourquoi il a un voile sur la figure? Est-ce qu'il est malade? Comment c'est qu'il se nomme? C'est la sœur du sommeil. Il vaut mieux ne pas trop la regarder. Pourquoi? Parce qu'elle porte un nom qu'on n'aime pas entendre. Mais parlons d'autre chose. La chatte me dit que vous venez ici pour chercher l'oiseau bleu. Oui, madame, si vous le permettez. Pouvez-vous me dire où il est? Mais je n'en sais rien, mon ami. Je ne l'ai jamais vu. La lumière m'a dit qu'il était ici. Et elle sait ce qu'elle dit, la lumière. Voulez-vous me donner vos clés? Mais mon petit ami, tu comprends bien que je ne puis ainsi donner les clés au premier venu. J'ai la garde de tous les secrets de la nature. J'en suis responsable. Et il m'est absolument interdit de les donner à qui que ce soit. Surtout à un enfant. Vous n'avez pas le droit de refuser à l'homme qui les demande. Je le sais. Qui te l'a dit? La lumière. Oh, encore la lumière, toujours la lumière. Mais de quoi se mêle-t-elle à la fin? Veux-tu que je les lui prenne de force, mon petit Dieu? Oh, tais-toi, puis reste tranquille. Et tâche d'être poli. Voyons, madame. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. As-tu le signe, au moins? Où est-il? Vous voyez le diamant. Enfin. Voici la clé qui ouvre toutes les portes. Tant pis pour toi s'il t'arrive malheur. Je ne réponds de rien. Est-ce que c'est dangereux? Dangereux? C'est-à-dire que moi-même, je ne sais trop comment je vais pouvoir m'en tirer lorsque certaines de ces portes de bronze s'ouvriront. Il y a derrière ces cavernes tous les maux, tous les fléaux, toutes les maladies, toutes les catastrophes, tous les mystères qui affligent la vie depuis le commencement du monde. Ah, j'ai eu assez de mal à les enfermer avec l'aide du destin. Et ce n'est pas sans peine, je vous assure, que je maintiens un peu d'ordre parmi ces personnages indisciplinés. On voit ce qui arrive lorsque l'un d'eux s'échappe et se montre sur Terre. J'ai peur. Je veux rentrer à la maison. Commençons par ici. Derrière cette porte? Je crois que ce sont des fantômes. Mais voilà bien longtemps que je ne l'ai ouverte. Vite, vite! Ferme la porte! Ils s'échapperaient tous, on ne pourrait plus les rattraper! Par ici. Enfin, comme tu voudras. Ouvre-la si ça te fait plaisir. Ce sont les maladies. Est-ce qu'il faut prendre garde en ouvrant? Non. Elles ne sont pas méchantes. Elles sont bien tranquilles, les pauvres petites. L'homme, depuis quelques années, leur fait une telle guerre. Surtout depuis la découverte des microbes. Mais ouvre-la, tu verras bien.
sortent pas? Mais je t'avais prévenu. Elles ne sont pas méchantes et la plupart sont tellement souffrantes. Elles sont bien découragées. Ah, les médecins ne sont pas gentils avec elles. Mais entre donc un instant, tu verras. Vous n'oubliez pas. Mais elles sont bien malades, toutes vos maladies. Elles n'ont même pas levé la tête. Voyons celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde, ce sont les guerres. Elles sont plus terribles et puissantes que jamais. Dieu sait ce qui arriverait si l'une d'elles s'échappait. Naturellement qu'elles ne l'ont pas. Elles le mangeraient tout de suite. Eh bien, en as-tu assez? Tu vois qu'il n'y a rien à faire. Il faut que je voie tout. La lumière l'a dit. La lumière l'a dit? Ah, mais c'est facile à dire lorsqu'on a peur et qu'on reste chez soi. Allons à la suivante. Qu'est-ce? Ici, j'enferme les ténèbres et les terreurs. Est-ce qu'on peut mourir? Certainement. Elles sont assez tranquilles. C'est comme les maladies, elles sont devenues extrêmement timides. Excepté les grandes, celles que tu vois au fond. Elles sont effrayantes. Elles sont enchaînées. Ce sont les seules qui n'ont pas peur de l'homme. Mais ferme un peu la porte, de peur qu'elles ne se fâchent. La grande porte du milieu. N'ouvre pas cette porte. Pourquoi? Parce que c'est défendu. C'est donc là que se cache l'oiseau bleu. La lumière me l'a dit. Écoute, mon enfant. Jusqu'à présent, j'ai été bonne et complaisante. J'ai pitié de ta jeunesse et de ton innocence et je te parle comme une mère. Renonce. Ne va pas plus avant. Ne tente pas le destin. N'ouvre pas cette porte. Pourquoi? Parce que nul de ceux... Entendu. Nul de ceux qui ont entrouvert cette porte, ne fût-ce que l'épaisseur d'un cheveu, n'est revenu vivant à la lumière du jour. Maintenant, si tu t'obstines à ouvrir cette porte, je te demanderai d'attendre que je sois à l'abri dans ma tour sans fenêtre. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. Notre vie à tout ce que vous sacrifiez. Je dois l'ouvrir. Je ne veux pas. Sauf qu'il peut. Je reste, moi, j'ai pas peur. Je reste auprès de mon petit Dieu. Je reste et je reste. Voilà. C'est bien. C'est bien. Maintenant, gare-nous. Eh bien, vous l'aurez trouvé. Oh oui, tant qu'on voulait. Regardez. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils ne sont même plus bleus. Le mien aussi. Et celui de Tilo. Oh non, c'est trop vilain. Qu'est-ce qui les a tués? Je suis trop malheureux. Ne pleure pas, mon enfant. Vous n'avez pas trouvé celui qui peut vivre en plein jour? Il est allé ailleurs. Nous le retrouverons.
Votre ennemi arrive. C'est Tiltil, le fils du bûcheron, qui vous fait tant de mal. Il cherche l'oiseau bleu que vous cachez à l'homme depuis le commencement du monde et qui sait seul notre secret. Vous dites ? Ah, c'est le peuplier qui parle. Oui, il possède le diamant qui peut nous forcer à livrer l'oiseau bleu et nous serons à la merci de l'homme qui parle. Ah, c'est le chêne. Oui, le chien les accompagne. Vous dites ? Le corrompre ? Impossible, j'ai tout essayé. Ah, c'est toi le sapin ? Seule la lumière est favorable à l'homme, mais elle ne viendra pas. J'ai fait croire au petit qu'il devait s'échapper en cachette pendant qu'elle dormait. L'occasion est unique. Ah, vous voilà, mes petits maîtres. Comme vous avez bonne mine et que vous êtes jolis ce soir. Je vous ai précédé pour annoncer votre arrivée. Tout va bien. Cette fois, nous tenons l'oiseau bleu, j'en suis sûre. Mais il faut vous débarrasser du chien. Il est au plus mal avec les arbres. Vous du temps, Ali ? Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut que je t'embrasse, puisque tu m'as battu. Quel idiot ! Ne perdons pas de temps, tournez le diamant. Des hommes, des petits hommes. On va pouvoir leur parler. C'est fini, le silence. C'est fini. Où deviennent-ils ? Qui est-ce ? Que font-ils ? Les connais-tu, toi, Pertilleul ? Je ne me rappelle pas les avoir vus, peuplier. Mais si, Pertilleul, tu connais les hommes. Tu es toujours à te promener autour de leur jardin. Je ne les connais pas, ils sont trop jeunes. Je ne connais que les amoureux qui viennent me voir au clair de lune. Silence ! Voici le chêne. Ne trouvez-vous pas qu'il a vieilli ? Quel âge peut-il avoir ? Il est l'oiseau bleu ! Silence ! Donnez-le-moi ! Qui es-tu ? Tiltil, monsieur. Quand est-ce que je pourrais prendre l'oiseau bleu ? Tiltil, le fils du bûcheron. Oui, monsieur. Ton père nous a fait bien du mal. Pour ma seule famille, il a mis à mort 600 de mes fils. Et 12 000 arrière-petits-fils. Je ne sais pas, monsieur. Il ne l'a pas fait exprès. Que viens-tu faire ici ? Monsieur, je vous demande pardon si je vous dérange. Mais c'est la chatte qui m'a dit que vous alliez nous dire où se trouve l'oiseau bleu. Tu cherches l'oiseau bleu pour que les hommes rendent plus dur encore notre esclavage. Non, monsieur. C'est pour la petite fille de la fée Berylune, qui est très malade. Mes frères, l'enfant que voici, grâce au talisman dérobé aux puissances de la terre, peut s'emparer de l'oiseau bleu et nous arracher ainsi le secret que nous gardons depuis les origines de la vie. Or, nous connaissons assez l'homme pour ne pas avoir de doute sur le sort qu'il nous réserve lorsqu'il se trouvera en possession de ce secret. L'heure est grave. Il faut que l'enfant disparaisse avant qu'il ne soit trop tard. Que dit-il ? As-tu vu mes dents, vieux perclus ? Éloignez le chien. Laissez-moi faire, j'arrangerai les choses, mais éloignez-le au plus vite. Et laisse-moi donc lui déchirer ses pantoufles de mousse, à ce vieux goutte-là. Il serait plus prudent de l'enchaîner, sinon il fera des bêtises. Tas de vieux rabougris, tas de vieilles racines. C'est la chatte qui mène tout, hein ? Je lui revaudrai ça. Vous voyez, il insulte tout le monde. C'est vrai, il est insupportable. Monsieur le lierre, voulez-vous l'enchaîner ? Il ne mordra pas. Non, non, au contraire. Il va t'embrasser. Allez, approche. Approche, tas de vieilles ficelles. Obéis au lierre. Laisse-toi ligoter. Sinon... Tu as tort. Ils ont de vilaines intentions, mon petit dieu. Prends garde. Mon émotion, je ne vous le cache pas, est profonde. C'est la première fois qu'il nous est donné de juger l'homme et de lui faire sentir notre puissance. La mort. Il a trop abusé. C'est à vous, notre roi et notre patriarche, que revient cet honneur. Ah, c'est le sapin qui parle. Non, non, je suis trop vieux, je suis aveugle, infirme. C'est à vous qu'échoua mon défaut, le plus noble geste de notre délivrance. Je vous remercie, mon vénérable père, mais je craindrais d'éveiller la jalousie chez mes collègues. Et je crois qu'après nous, le plus ancien, le plus digne, celui qui possède la meilleure massue, c'est le peuplier. À moi, y pensez-vous ? Mon bois est plus tendre que la chair d'un enfant. Vous avez peur de l'homme.
Eh bien non, c'est assez. J'irai seul. Vieux, perclus, aveugle, devant l'ennemi héréditaire. Où est-il? Le couteau. Prenez garde, le couteau. Reste derrière moi, ils n'oseront pas approcher. Trouve le diamant. Trouve le diamant, nom d'un chien. Là, là, c'est la lumière. Sauvez, mon petit roi. Embrasse-moi. Sauvez. Où sont-ils? Qu'avaient-ils? Est-ce qu'ils étaient fous? Non, malheureux. Tu ne le savais donc pas? Je te l'avais pourtant bien dit. Il est dangereux de le réveiller quand je ne suis pas là. Santilo, et si je n'avais pas eu mon couteau, je n'aurais jamais cru qu'il fût si méchant. Tu vois bien que l'homme est tout seul contre tous en ce monde. Tiens. J'ai deux mots à te dire, toi. Tu perdras rien pour attendre. Petite mère, il m'insulte. Il veut me faire du mal. Tu bien, c'est tranquille. Je crois que cette fois, nous tenons l'oiseau bleu. J'aurais dû penser dès la première étape. Nous sommes tout près des jardins enchantés, où se trouvent réunis, sous la garde du destin, toutes les joies, tout le bonheur des hommes. Il y en a beaucoup? En général, les bonheurs sont bons. Mais il en est quelques-uns qui sont plus perfides, plus dangereux que les plus grands malheurs. Je vais aller partout avec mes petits yeux. Et que ceux qui ont peur restent donc à la porte. Nous n'avons pas besoin de traîtres. Je n'ai jamais connu le plus petit bonheur. Je veux en voir enfin. La plupart de bonheurs ne me supportent pas. Mais j'ai le voile dont je me couvre quand je visite les gens heureux. Tourne le diamant. Je crois qu'ils nous ont vus. Ne crains rien. Ils sont très accueillants. Il va probablement t'inviter à dîner. N'accepte pas. N'accepte rien de peur d'oublier ta mission. Quoi? Pas même un petit gâteau? Ils ont l'air si bons. Il faut savoir sacrifier quelque chose au devoir qu'on remplit. Refuse poliment, mais avec fermeté. Bonjour, Tiltil. Vous me connaissez donc? Mais qui êtes-vous? Je suis le plus important des bonheurs. Le bonheur d'être riche. Et je viens, au nom de mes frères, vous prier d'honorer de votre présence notre repas sans fin. Vous vous trouverez au milieu de tout ce qu'il y a de mieux parmi les vrais et gros bonheurs de cette terre. Permettez que je vous présente les principaux d'entre eux. Voici le bonheur de la vanité satisfaite, dont le visage est si gracieusement bouffi. Voici le bonheur de boire quand on n'a plus soif. Voici le bonheur de manger quand on n'a plus faim. Et le bonheur de ne rien savoir, qui est sourd comme une limande.
Voici le bonheur de ne rien comprendre. Qui est aveugle comme une taupe. Et voici le bonheur de ne rien faire. Et voici le rire épais qui est fendu jusqu'aux oreilles et auquel rien ne peut résister. Mais venez donc, on recommence le festin. C'est la 12e fois depuis l'aurore. On n'attend plus que vous. Je vous remercie bien, monsieur le gros bonheur. Je regrette vivement, mais nous ne pouvons pas pour le moment. Nous sommes très pressés. Nous cherchons l'oiseau bleu. Vous ne sauriez pas par hasard où il se cache? L'oiseau bleu? Ah, oui, oui. Attendez, on m'en a parlé dans le temps. C'est un oiseau qui n'est pas comestible. En tout cas, il n'a jamais paru sur notre table. Mais nous avons tant d'autres choses bien meilleures. Vous allez vous mêler à notre vie, vous verrez tout ce que nous faisons. Que faites-vous? Mais nous nous occupons sans cesse à ne rien faire. Nous n'avons pas une minute de repos. Il faut boire, il faut manger, il faut dormir. C'est extrêmement absorbant. Et c'est amusant? Mais oui, il le faut bien. Il n'y a pas autre chose sur cette terre. Croyez-vous? Quelle est cette personne mal élevée? Je suis pour personne, mais j'entends plus rien. Eh bien, Tilo, je t'ai appelé. Et c'est ainsi qu'on obéit? Allons, viens ici. Vous voyez, il vous donne l'exemple. Venez, on vous attend. Allons, les gros bonheurs, aidez-moi. Poussons-les de force vers la table pour qu'ils soient heureux. Malgré eux. Tourne le diamant. Il est temps. Qui vont vous renseigner. Tu les connais? Oui, je les connais tous. On trouve sur la terre beaucoup plus de bonheur qu'on ne croit. Mais la plupart des hommes ne le découvrent point. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Bonjour! Bonjour! Bonjour, Tiltil. Bonjour, Mithil. Bonjour. Encore un qui nous connaît. On commence à nous connaître un peu partout. Oui. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas? Je parie que tu ne connais aucun de ceux qui sont ici. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas vous avoir vu. Mais mon petit Tiltil, tu ne connais que nous. Nous sommes toujours autour de toi. Je suis le chef des bonheurs de ta maison. Et ceux-ci sont les autres bonheurs qui l'habitent. Il y a donc des bonheurs dans ma maison? Mes petits malheureux, elle en est pleine à faire sauter les portes et les fenêtres. Nous rions, nous chantons. Nous créons de la joie à refouler les murs, à soulever les toits. Mais nous avons beau faire, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Ils font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour te rendre la vie légère et heureuse. Moi d'abord. Ton serviteur, le bonheur de bien se porter. Je ne suis pas le plus joli,
mais le plus sérieux. Tu me reconnaîtras. Voici le bonheur d'aimer ses parents, qui est vêtu de gris et toujours un peu triste, parce qu'on ne regarde jamais. Voici le bonheur du ciel bleu. Et le bonheur de la forêt, que tu reverras chaque fois que tu te mettras à la fenêtre. Mais vous êtes aussi beau tous les jours. Mais oui, c'est tous les jours dimanche, dans toutes les maisons, quand on ouvre les yeux. Et puis, quand vient le soir, voici le bonheur des couchers de soleil, qui est plus beau que tous les rois du monde. Et le bonheur du feu d'hiver, qui ouvre aux mains gelées son beau manteau de pourpre. Mais je dois prévenir les grandes joies, qui ne savent pas encore que vous êtes arrivés. Je vais leur dépêcher le bonheur de courir nu-pieds dans la rosée. Allez, va vite. Le petit bonheur de courir nu-pieds dans la rosée a prévenu les grandes joies. Elles s'avancent vers nous. Ne sont-elles pas heureuses? Ce n'est pas quand on rit qu'on est le plus heureux. Tu sais leur nom? Naturellement. Voici d'abord la grande joie d'être juste, qui sourit chaque fois qu'une injustice est réparée. Je suis trop jeune et je n'ai pas encore vu sourire. À ses côtés, c'est la joie d'être bonne, qui est la plus heureuse et la plus triste, et qu'on a bien du mal à empêcher d'aller chez les malheurs qu'elle voudrait consoler. Là, c'est la joie du travail accompli. À ses côtés, c'est la joie de penser. Et enfin, la joie de comprendre. Pourquoi s'écarte-t-elle? C'est devant une nouvelle joie qui s'avance. Peut-être la plus pure que nous ayons ici. Qui est-ce? Tu ne la reconnais pas, mais regarde donc. Elle t'a vu, elle te tend les bras. C'est la joie de ta mère, c'est la joie sans égale de l'amour maternel. Miti, j'étais bien seule à la maison. D'abord des baisers. Des baisers tant qu'on peut. Tous les deux dans mes bras. Il n'y a rien au monde qui donne plus de bonheur. Til-Til, tu ne ris pas? Ni toi non plus, Mithil? Tu ressembles à maman. Mais tu es bien plus belle. Évidemment, moi je ne vieillis plus. Chacun de tes sourires m'allège d'une année. À la maison, cela ne se voit pas. Mais ici, l'on voit tout. Cette belle robe, en quoi donc est-elle faite? Ce sont des baisers, des regards, des caresses. Toutes les mères sont riches quand elles aiment leurs enfants. Il n'en est pas de pauvre, il n'en est pas de laide, il n'en est pas de vieille. Et quand elles semblent tristes, il suffit d'un baiser qu'elles reçoivent ou qu'elles donnent pour que toutes leurs larmes deviennent des étoiles dans le fond de leurs yeux. Mais oui, c'est vrai, tes yeux. Ils sont remplis d'étoiles. Et ce sont bien tes yeux. Mais ils sont bien plus beaux. Et ta main, elle a sa petite bague. Elle a même la brûlure que tu t'es faite un soir en allumant la lampe. Mais elle est bien plus blanche. Elle ne travaille donc pas comme celle de la maison. Mais si, c'est bien la même. Tu n'avais donc pas vu qu'elle devient toute blanche dès qu'elle te caresse? Maman, c'est ta voix. Mais tu parles bien mieux qu'à la maison. Chez nous, on a bien trop à faire et l'on n'a pas le temps. Mais ce que l'on ne dit pas, on l'entend tout de même. Maintenant que tu m'as vue, me reconnaîtras-tu lorsque tu rentreras demain dans la chaumière? Puisque tu es ici, je resterai aussi, tant que tu y seras. Mais c'est là-bas que je suis. C'est là-bas que nous sommes. Tu n'es venue ici que pour apprendre comment il faut me voir quand tu me vois là-bas. Comprends-tu, mamie-t-il? Tu te crois dans le ciel,
Mais le ciel est partout, nous nous embrassons. Il n'y a pas de mère et tu n'en as pas d'autre. Chaque enfant n'en a qu'une. Et c'est toujours la même et toujours la plus belle. Mais il faut la connaître et savoir regarder. Comment as-tu fait pour arriver ici et trouver une route que les hommes ont cherchée depuis qu'ils habitent la Terre? C'est elle qui nous conduit. Qui est-ce? La lumière. Elle ne montre jamais son visage? Elle craint que les bonheurs n'aient peur s'ils y voyaient trop clair. Mais elle ne sait donc pas que nous n'attendons qu'elle? Venez, venez, mes sœurs, venez. C'est la lumière qui vient enfin nous visiter. Vous êtes la lumière et nous ne savions pas. Et voici des années que nous vous attendons. Me reconnaissez-vous? C'est la joie de comprendre qui vous a tant cherché. Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de nous-mêmes. Me reconnaissez-vous? C'est la joie d'être juste qui vous a tant prié. Nous sommes très heureuses, mais nous ne voyons pas au-delà de nos ombres. Écartez donc ces voiles qui nous cachent encore les dernières vérités, les derniers bonheurs. Voyez, toutes mes sœurs s'agenouillent à vos pieds. Vous êtes notre reine et notre récompense. Mes sœurs, j'obéis à mon maître. L'heure n'est pas venue, il sonnera peut-être. Je vous reviendrai sans crainte et sans ombre. Adieu. En attendant le jour qui paraîtra bientôt. Vous avez été bonne pour mes pauvres petits. Je serai toujours bonne autour de ceux qui s'aiment. L'oiseau bleu n'était pas ici. Tourne le diamant. Nous y trouverons fort probablement l'oiseau bleu. Bien sûr que l'oiseau sera bleu, puisque tout y est bleu. Est-ce qu'ils sont fâchés? Pas du tout. Tu vois bien, ils sourient, mais ils sont étonnés. Pourquoi nous appellent-ils les petits vivants? Parce que eux, ils ne vivent pas encore. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils attendent l'heure de leur naissance. Chacun attend un jour. Quand le père et la mère désirent des enfants, les petits descendent. Est-ce qu'on peut leur parler? Bien sûr. Il faut faire connaissance. Voilà. Un plus curieux que les autres. Approche-toi. Parle-lui. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce que tu voudras. Comme un petit camarade. Est-ce qu'on peut lui donner la main? Évidemment. Il te fera pas de mal. Je vais vous laisser seule. Vous serez plus à l'aise entre vous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Ben ça, c'est mon chapeau. Tu n'as pas de chapeau? Non. Pourquoi c'est fait un? C'est pour dire bonjour, puis quand il fait froid. Qu'est-ce que c'est, faire froid? C'est quand on tremble. Puis quand on souffle dans ses mains. Et on fait aller ses bras comme ceci. Il fait froid sur la terre? Mais oui, des fois, quand on n'a pas de feu. Quel âge as-tu? Je vais naître bientôt. Je naîtrai dans 12 ans. Est-ce que c'est bon de naître? Oh oui, c'est amusant. Comment tu fais? Oh, tu sais, je me rappelle plus, il y a si longtemps. On dit que c'est si beau, la terre et les vivants. On nous dit aussi que les mères attendent à la porte. Elles sont bonnes. Est-ce vrai? Oh, mais oui, elles sont meilleures que tout ce qu'il y a au monde. Les bonnes mamans aussi, mais elles meurent trop vite.
Ta maman ou ta bonne maman? Ah non, ce n'est pas la même chose. Les bonnes mamans sont bonnes d'abord. C'est déjà assez triste. La mienne était très bonne. Qu'est-ce qu'ils ont, tes yeux? Est-ce qu'ils font des perles? Mais non, ce n'est pas des perles, c'est rien, c'est un peu d'eau. Est-ce qu'elles sortent des yeux? Oui, des fois, quand on pleure. Est-ce qu'on pleure souvent? Mais non, les petites filles, pas les petits garçons. On ne pleure pas ici? Mais non, je ne sais pas. Bien, tu apprendras. Avec quoi joues-tu ici? Avec l'invention que je ferai sur Terre. Une invention? Tu as inventé quelque chose? J'y travaille chaque jour. Elle est presque achevée. Veux-tu voir? Mais bien sûr. Tu veux voir la mienne? Les 33 remèdes pour prolonger la vie. Dans 153 ans, 4 mois et 9 jours, je serai le jardinier du roi des 9 planètes. Le roi des 9 planètes? Où est-il? C'est moi. Eh bien, tu n'es pas bien grand. Ce que je ferai sera grand. Que feras-tu? Je fonderai la Confédération Générale des planètes solaires. Vraiment? Toutes en feront partie, excepté Saturne, Uranus et Neptune, qui sont à des distances exagérées. Il est intéressant. Et le gros là qui a les doigts dans le nez, qu'est-ce qu'il fera? Il apportera la joie pure sur le globe. Comment? Par des idées qu'on n'a pas encore eues. Les deux, là, qui se tiennent, là, la main, et puis qui s'embrassent. Ils sont frères et sœurs? Mais non, ce sont les amoureux. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est le temps qui les appelle ainsi, pour s'en moquer. Ils se regardent tout le jour dans les yeux, ils s'embrassent, et se disent adieu. Pourquoi? Il paraît qu'ils ne pourront pas partir ensemble. Qui dort. Ils doivent apporter quelque chose sur la terre. Il est défendu de sortir les mains vides. Qui est-ce qu'il défend? C'est le temps qui se tient à la porte. Tu verras quand il ouvrira. Il est bien embêtant. Bonjour, Tiltil. Tiens. Un qui connaît mon nom. Jure, ça va bien? Voyons, brasse-moi. Et toi aussi, Mithil. Ce n'est pas étonnant que je sache ton nom, puisque je serai ton frère. On vient seulement de me dire que tu es là. J'étais tout au bout de la salle, en train d'emballer mes idées. Dis à maman que je suis prêt. Et comment tu comptes venir chez nous? Bien sûr, l'année prochaine. Là, dis-moi, je l'ai rameau. Ne me tourmente pas trop quand je serai petit. Je suis bien content de vous avoir embrassé d'avance. Dis à papa qu'il répare le berceau. Mmh. Est-ce qu'on est bien chez nous? On y est pas mal. Et maman est si bonne. Tu nous apportes quelque chose? J'apporte la coqueluche et la rougeole. Eh bien, si c'est tout ça... Qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Il va ouvrir les portes. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est l'aurore qui se lève. C'est l'heure où les enfants qui vont naître aujourd'hui vont descendre sur Terre. Leur assaut, sont-ils prêts? Doucement, doucement. Un par un. À toi d'abord. Ça n'est pas ton tour, c'est demain. Tu naîtras demain. Et toi, c'est dans 10 ans. Alors, demi-tour, rentrez tous les deux. Et toi, mon gros, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'apportes-tu? Rien du tout? Les mains vides, on ne passe pas. Ah, d'ailleurs, pour toi, rien de presse. Prépare gentiment quelque chose, n'importe quoi, moi ça m'est égal. Un grand crime, si tu veux. Mais il me faut quelque chose. Et lui là, qu'est-ce qu'il a? Il ne veut pas, monsieur. On demande à un héros qui combatte l'injustice. C'est toi, que veux-tu? Il faut partir. Non, je ne veux pas. J'aime rester ici. Oh, c'est l'heure, c'est l'heure.
passer. J'irai prendre sa place. On dit que mes parents sont vieux et qu'ils m'attendent depuis longtemps. Non, 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 pas de ça. L'heure, c'est l'heure et le temps est le temps. Allez, allez. Va. Oh, on n'en finirait plus si on vous écoutait. L'un c'est oui, l'autre c'est non. Moi je veux, moi je ne veux pas. C'est trop tôt, c'est trop tard. Ah, ça non par exemple. C'est la troisième fois que tu essayes de naître avant ton tour. Que je ne t'y reprenne pas, sinon ce sera l'attente éternelle auprès de ma sœur l'éternité. Et tu sais qu'on ne s'y amuse pas. Il en manque encore un. Dis donc, toi, le petit qu'on appelle l'amoureux, on ne me trompe pas comme ça, tu sais. Alors, dis adieu ta belle. Monsieur le temps, laissez-moi partir avec lui. Monsieur le temps, laissez-moi rester avec elle. J'aime mieux ne pas naître. J'y arriverai trop tard. Je ne serai plus là quand elle descendra. Je ne la verrai plus. Nous serons seuls au monde. Tout ça ne me regarde pas. Réclamer auprès de la vie. Moi, Julie, je sépare selon ce qu'on me dit. Allez, en route. Non, elle aussi. Laissez-le. Mais voyons, ce n'est pas pour mourir, c'est pour vivre. Dis-moi, comment te retrouver? Je t'aimerai toujours. Vous feriez beaucoup mieux d'espérer. Le chant de mer qui vient à leur rencontre. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Par où êtes-vous entré? Ne réponds pas. Sauvons-nous. Tourne le diamant. Où sommes-nous? Tu ne reconnais pas ce mur et cette petite porte? C'est un mur et une petite porte. Et ça ne rappelle rien. Qu'on est bizarre quand on rêve. On ne reconnaît pas sa propre main. Qui est-ce qui rêve? Est-ce moi? C'est peut-être moi. Qu'en sait-on? C'est la maison que nous avons quittée un soir. Il y a juste jour pour jour une année. Nous sommes près de maman? Je veux rentrer tout de suite. Je veux l'embrasser tout de suite. Moi aussi. Il ne faut pas le réveiller en sursaut. Du reste, la porte ne s'ouvrira que lorsque l'heure sonnera. Je me sens un peu triste parce que je vais vous quitter. Nous quitter? Je n'ai plus rien à faire ici. La fée va revenir et te demander l'oiseau bleu. Mais c'est que je l'ai pas, moi, l'oiseau bleu. Celui du souvenir est devenu tout noir. Ceux de la nuit sont morts. Et je n'ai pas pu prendre celui de la forêt. Est-ce de ma faute à moi s'il change de couleur, s'il meurt ou s'il s'échappe? Est-ce que la fée sera fâchée? Nous avons fait ce que nous avons pu. Il faut croire qu'il n'existe pas, l'oiseau bleu. Il n'existe pas? On a plus assez, hein? En veux-tu encore, hein? Ah! Tiens, tiens. Non. Ah! Tire-moi ici.
des injures. Il m'a roué de coups et je n'avais rien fait. Rien du tout, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'est égal, t'en as eu, et du bon, hein. Et t'en auras encore. Ma pauvre Tillette. Votre conduite est d'autant plus indigne que vous choisissez le moment où nous allons nous séparer de ce pauvre enfant. Nous séparer de ces pauvres enfants? Nous allons rentrer dans le silence. Nous ne pourrons plus leur parler. Non. Non. Mon petit Dieu, tu me comprendras, n'est-ce pas? Et je serai toujours très propre. Et je ne volerai plus rien dans la cuisine. Veux-tu que je fasse quelque chose d'étonnant? Veux-tu que j'embrasse la chatte? Et toi, Tillette, tu n'as rien à nous dire? Je vous aime tous les deux, autant que vous le méritez. Maintenant, mes enfants, je vous donne le dernier baiser. Reste avec nous. Papa ne dira rien. Nous dirons à maman que tu as été bonne. Hélas, je ne peux pas. Je dois vous quitter. N'oublie pas que c'est moi qui vous parle dans chaque rayon de lune, dans chaque étoile qui sourit, dans chaque aurore, dans chaque lampe qui s'allume, dans chaque pensée bonne et claire. 8 heures, la porte s'ouvre. Les petits paresseux. 8 heures sont sonnées. Le soleil est déjà plus haut que la forêt. Dieu qu'ils dorment. Qu'ils dorment. Ils sont tout roses. Mit-il sans muguet. Est-il la lavande? Et c'est bon, les enfants. Allons, allons, Tiltil. Quoi, la lumière? Où est-elle? Non, je ne vois pas. La lumière? Bien sûr qu'elle est là. Il y a pas mal de temps. Maman? Maman, c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Oh, que c'est bon de te revoir. Il y a si longtemps. Oh, mais si longtemps. Il faut que je t'embrasse tout de suite. Encore. 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 Et puis, c'est bien mon lit. Mais je suis dans la maison. Qu'est-ce que t'as? T'es pas malade au moins? Voyons, montre ta langue. Allez, habille-toi. Tiens, je suis en chemise. Bah, bien sûr. Passe ta culotte et ta veste, elles sont là sur la chaise. Est-ce que j'ai fait ainsi tout mon voyage? Quel voyage? Mais oui, l'année dernière. L'année dernière? Lorsque je suis partie à Noël. Je t'ai couché hier au soir et je te retrouve ce matin. T'as donc rêvé tout ça? Mais non, mais tu comprends pas, c'était l'année passée. Lorsque je suis partie avec Mit-Il, la fée et la lumière. T'es pas fâchée au moins? T'as pas été trop triste? Puis tu sais, je pouvais pas refuser. Et papa, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu chantes là? Voyons, réveille-toi. Mais demande à Mit-Il si c'est pas vrai. Ah, oh, tu sais, on en a eu des aventures, hein. Comment Mit-Il? Elle est avec moi. On a revu bon papa et bonne maman. Bon papa et bonne maman? Mais oui, c'était sur notre route au pays du souvenir. Ils sont morts, mais ils se portent bien. Bonne maman nous a fait une belle tarte aux prunes. Et on t'a vu aussi hier soir. Bah, hier soir, c'est pas étonnant puisque je t'ai couché. Mais non, jardin des bonheurs. Tu étais plus belle. Oh oui, beaucoup plus belle. Mais je te préfère comme ça. Moi aussi. Moi aussi. Papa Till. Papa Till, viens. Les petits sont malades. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Tu as bien travaillé cette année?
Ben, qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas l'air malades. Ils sont bonne mine. Il faut pacifier. Je les avais couchés bien tranquillement hier au soir. Et ce matin, en s'éveillant, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils parlent d'un voyage. Ils ont vu la lumière. Bon papa et bonne maman qui sont morts et qui se portent bien. Tu entends? Cours chercher le médecin. Ben non. Nous allons voir. Allez vous habiller. Tous, hein? Bonne fête. Bonne fête. Ah, merci. J'ai bien frisqué ce matin. Bonjour, les enfants. Ça va bien? C'est la fée Bérylune. Madame la fée Bérylune. Je n'ai pas pu trouver l'oiseau bleu. Que dit-il? Ne m'en parlez pas, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils ont dû manger quelque chose qui n'était pas bon. Bien dit-il. Tu ne reconnais pas ta voisine Berlingot? Mais si, vous êtes la fée Bérylune. Vous n'êtes pas fâchée? Béry quoi? Bérylune. Non, Berlingot, tu veux dire Berlingot. Oh, je connais ça, c'est rien que des songeries, ils ont dormi dans un rayon de lune. Ma petite fille qui est bien malade, ben, ça lui arrive souvent. À propos, comment va-t-elle, votre petite fille? Coussi, coussi. Le médecin dit que c'est les nerfs, mais je sais bien ce qui la guérirait, moi. C'est toujours l'oiseau de Tiltil. Eh bien, Tiltil, ne vas-tu pas le lui donner enfin, cette pauvre petite? Quoi, maman? Ton oiseau, pour ce que tu en fais. Tu ne le regardes même plus. Et elle en meurt d'envie depuis si longtemps. Tiens, c'est vrai, mon oiseau. Où est-il? Ah, mais voilà la cage. Vois-tu la cage? Mais il est bleu. Mais c'est ma tourterelle. Mais elle est bien plus bleue que lorsque nous sommes partis. Mais c'est l'oiseau bleu. Et dire que nous l'avons cherché partout alors qu'il était ici. C'est la lumière qui serait contente alors. Tenez, Madame Berlingot. Oh, vous savez, il n'est pas tout à fait bleu, mais ça viendra, vous verrez. Et portez-le bien vite, hein. Non? Vrai? Mais tu me le donnes comme ça, tout de suite? Et pour rien? Oh, ce qu'elle va être heureuse. Viens que je t'embrasse. Je me sauve. Je me sauve. Allez, allez, vite, vite. Il y en a qui changent de couleur. Je reviendrai vous dire ce qu'elle aura dit. Papa, maman. Mais qu'est-ce que vous avez fait à la maison? C'est la même, mais elle est beaucoup plus belle. Et la forêt qu'on voit, comme elle est grande, comme elle est belle, on dirait qu'elle est neuve. Qu'on est heureux chez nous. Qu'ont-il donc à tournoyer comme ça? Mais laisse donc, t'inquiète pas, ils jouent à être heureux. Vous voyez le miracle? Pas possible. Elle marche? Elle marche? C'est-à-dire qu'elle court, elle vole? Quand elle a vu l'oiseau, elle s'est mise à sauter comme ça, d'un saut, vers la fenêtre, pour voir à la lumière si c'était bien la tourterelle de Tiltil. Et puis, comme un ange, à peine si je pouvais la suivre. J'en ai vu des plus bleus, mais il est tout à fait bleu, on a beau faire, on ne peut pas les attraper. Ah, ça ne fait rien. Il est bien joli. Est-ce que tu lui as donné à manger? Non, pas encore. Comment est-ce qu'il mange, dis? Donne-moi. Il est parti. Ce n'est rien, ne pleure pas, il reviendra. Tu vois, il est déjà là.